Loup détruit. Ici. Grenade ! Ici. Plus que 30 secondes. J'ai perdu mes yeux. Fil de détente détruit. Plus que 10 secondes. Dernier joueur en vie. Spike à terre au A. Plus que 10 secondes. Dernier joueur en vie. Là. Aveuglé. Les ombres bougent. Plus que 30 secondes. Aucun ennemi. Spike à terre. Parfait. Plus que 30 secondes. Aucun ennemi. Spike à terre. Parfait. La coche sortie. Plus que 30 secondes. Ah.
Une précision parfaite. Plus que 30 secondes. Plus que 10 secondes. Charge. Une précision pas. Les ombres bougent. Tué. Spike à terre au milieu dans les ombres. Plus que 30 secondes. Plus que 10 secondes. Envole-toi. Aveuglé. Tournée générale. Orbe de poison actif. Les ombres. La coche sortie. Plus que 30 secondes. Vous êtes...
marquage déclenché. Spike posé. Ici. En l'espace d'une heure là. Je tiens à dire que on est globalement proche d'être la meilleure équipe de la là pour le moment jusqu'à ce qui s'est joué. On est, je crois, l'équipe qui a fait le moins d'erreurs globalement, peut-être avec Echo, peut-être avec Echo. Mais il y a eu, on a laissé quasiment aucune mort à chaque fois. Je suis sur votre piste. On a quasiment toujours fait des clean runs et tout. C'est quand même à noter parce que c'est très rare. On me dit qu'apparemment le stream de WoW demain il démarrerait une heure en avance. Donc je suis en train Il y a un décalage là-bas. Je suis en train de vérifier. Mais du coup, ce serait, si c'était le cas, on serait à 19. Ah, à 18 Isaac heures. Est censé avoir l'info normalement. Ce serait 18 au lieu de 19. Bah, c'est Isaac probablement qui. Ah, c'est Isaac qui te l'a dit. Bah là, non, c'est notre coach Velan qui me le dit. Mais, ça peut vous intéresser. Mais ouais, on va voir. Changement d'heure US au Canada et cette nuit. Ah d'accord, ok. Bon ben, ça vient. Je vais l'écrire dans le titre. Par contre, il y a un truc intéressant. Pour, parce que ça parlait des temps. Bon, on s'excuse, vite fait, je dis ça. Vas-y, après, vas-y. Mais attends, en gros, la map qui a été le plus close, ça s'est fait à 0,169 secondes. Pour qui? Ouais, tout à l'heure, Echo. Il y a longtemps. Il y a une map qui était encore plus close, à 0,1. Ok. Parce que là, c'était 0,7. Et c'était 0,7, là, je crois. Voilà. Et il y a eu 0,169. Putain, c'est bon. C'est la map la plus close. Et c'était en. 0,169. Non, là, c'était 0,07, apparemment. Et du coup, c'était celle-là qui devient la plus close. Ah, ok. Parce que là, c'était moins de 0,1. Ouais. Ah ouais, ce qui est quand même une dinguerie. Oh, le double kill dans la smoke avec le kill de Ghoster en avancée. On a l'info sur Marie d'auteur. Ghoster qui le détruit. Oh, je suis trop deck pour eux. Et c'est un 5-2. Sachant que split, map attaque, hein, les amis. Et là, on est à 5-2 en défense. Okay. On est à 5-2. Non, mais là, je. Non, mais avec la passe D de l'équipe. Ouais, non, mais l'équipe Valo ne peut pas perdre avec la passe D. Mais je suis désolé de revenir là-dessus, mais je crois qu'on est en playoff. Ok. Mais tu crois, t'es pas sûr à 100%. Bah, disons que. En fait, c'est 100%, ouais. Mais c'est pas moi qui l'ai calculé. Du coup. Qui l'a calculé? Donne le nom. Plusieurs personnes. Ouais. Non, je donnerai pas des noms, bien sûr. Mais il y a plusieurs personnes qui m'ont donné l'info. Non. Name drop, please. Qu'on l'attrape. Non, il y a plusieurs personnes qui m'ont donné l'info, plus des gens du chat, bien sûr, mais bon, vous êtes avec nous, vous n'allez pas dire le contraire. Franchement, la soirée est tellement drôle, non, là, avec le Valo et tout. Hey, non, mais par contre, j'avoue, c'était le bordel. Non, mais les joueurs ont rien dû comprendre. Quand ouais, c'est mort, c'était horrible. Il n'y a rien à l'écran. D'habitude, ça va, on casse trop. J'avoue, on arrive à faire des. Il est passé. Oh, dommage. Oh là là. Oh oui. Oh non. Il fait zéro. Voilà, tu les arraches. C'est bon, 2 ça me bat. Oh, unscope trop dur l'unscope. Ok, 2 pour 2. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être mieux. On a les deux infos. Oh dommage, on avait les deux infos en plus. Akuma tout seul, nous avons notre. Oh mais non. Oh, il le tue pas. Oh putain, dommage, tu sais que s'il le tue pas et qu'en plus on met le clutch derrière, c'est incroyable. 5-3. On rappelle, on est sur split, on joue contre Monaco eSport, la dernière équipe de la ligue. Mais on a perdu une petite map parce que quand même c'était pour rigoler. Et c'était pas là. Pour mettre plusieurs choses à l'écran. Le troll du round, un c'est terrible. Un peu de Valorant. Bah non, ça troll pas. Là, il voit rien, il peut pas savoir. Avant, il se fait tuer de l'ulti. Ici, il en tue deux, donc il troll pas. Après, il y a l'unscope en plein smoke, t'es contact, mais bon, fallait le tenter. Non, c'est pas un troll du round. Non, juste, c'est le kill sur la hauteur. Je pense qu'il s'est fait timing ou quelque chose comme ça c'était un peu dur. Mais voilà. Oh, ça nous régale, hein. De mon côté, j'ai calculé, c'est 117% de chance d'être en playoff. 117%. Ah, ça va, c'est cool alors. Oh là 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 là. Bon, et je rappelle, il y a des restocks de maillots, hein. Ouais. Ça se fait, ouais, Manu. Ouais. Vu que t'as acheté. Ouais. Manu, il y a des maillots là. On vient de restock là aujourd'hui. Aujourd'hui. Et sur ton téléphone, t'es en train d'acheter un, c'est ça? Ah ouais, je comprends. Il en achète un là. On peut floquer notre pseudo, quoi? Non. Ok. Quand même. Enfin, tu peux, mais tu le fais toi-même, quoi. Écrire avec un stylo. Truc horrible. Ah, bordel. Bon. C'était bien. Ouais.
Ah, ça, ça redescend là. Oh, par contre, c'est trop. Ah, c'est incroyable, c'est trop cool qu'on ait gagné ça. Ah, c'est incroyable. C'est trop cool qu'on ait gagné ça. Non, mais oui. 2-0 oui, perplexe. Bon, en vrai, même. En vrai, c'était pas 2-0. Ils ont vraiment donné la première map. Ouais. Parce que en vrai, c'est plutôt 1-0, la vérité. Mais ils ont pas donné, hein, non. Si, bah, c'est le jeu. On fait la tenter des choses, tu vois. C'est vrai qu'on fait la run parfaite. Mais voilà, c'est ça le. Donc on ne saura pas. Le contre-argument, c'est que de toute façon, on fait la meilleure run. Mais tu vois, si on avait gagné avec 5 morts, ça aurait pas été le même goût de victoire. Oui. Mais il y a un truc qui est important, c'est que Perplex a sorti la Secret Strat contre vous. Ouais, après, on sait pas, tu vois. En fait, le truc, c'est. Moi, tant que je vois pas. Oui, mais en fait, je sais qu'ils étaient en train de faire un truc, mais tant que je vois pas, je peux pas dire que c'était bien. Ils auraient pu atteindre en finale, mais ils avaient peur de nerfs. Les amis retake, nous avons une bonne position de site. On a éliminé les gens qu'il fallait éliminer, il en reste deux. Ah dommage, on perd ce duel là, mais on a quelqu'un en hauteur qui peut appuyer et nous aider, c'était Soon. Il reste que deux personnes, deux dans le L maintenant, deux backside. Ok Soon, le deuxième. Oh 5 HP, il est obligé de reculer. Il a plus le temps. Il a plus le temps. Jamais il l'aura. Il va quand même essayer de le tuer pour récupérer un petit point d'ult. Ah dommage, il avait 5 HP, il meurt quand même. Il meurt quand même, 5-4. Après tranquille, c'est une map attaque hein. Tranquille, pas de. Sur Bane quand même. Ouais, ouais, Carvin Corp gagnant LEC, Zera, j'ai les larmes aux yeux, c'est Kumiko. La journée de zinzin qui passe, Kumiko. Qui est fan de Mandatory et K-Corp. Clairement, la soirée parfaite. Les larmes aux yeux. Non, j'avoue. Ah, bah tant mieux s'il gagne, putain. Let's go. Je sais qu'il y avait beaucoup de fans K-Corp qui avaient peur. Et la reprise de la LEC, je sais pas contre qui joue, mais tu sais, il y avait ce côté, vu qu'on a tout arraché sur Valo, là, si on a la désillusion de LoL, ça va être horrible. Et du coup, les gens, ils étaient en mode, ouais, c'est bon, on va tout perdre, on va se faire karma, on mérite pas, machin. Et en fait, ça gagne. C'était sur Giantix. Giantix, pas trop bien, trop bien. Après, attendez, elle est finie la game? Parce que. Ouais, parce que. Là, je vois Kamel, il est encore en live, hein. Il est encore dans la game. Genre, il y a combien? Il y a 13, il y a 12-2, il y a combien? Y'a combien solo? Ah elle est finie. Ok bon tant mieux. Après si c'était une vraie équipe il serait sur haut. Ouais parce que LOL ça il a Carmine Corp à quand sur Warlock. En plus Kamel il a un peu joué à haut. Mais il aime bien voir de Kamel il aime bien haut. Et puis il a sans doute s'emballé un donc Il a totalement s'emballé. C'est clair. Et encore maintenant qu'il a l'équipe LEC, je pense qu'il a moins s'emballé. Ouais. Il y a un demi Twix. Là c'est un peu il chaud. A juste un Twix il a un doigt coupe la fin quoi. Là c'est un peu chaud. Après c'était la pire équipe avec K-Corp. Comme ça veut rien dire hein. T'inquiète, y a pas de pire équipe hein. Oui. Tu veux tout gagner hein. Y a pas d'histoire. Regarde là, c'est la pire équipe qui nous affronte et y a un partout et 5-4 dans la dernière map donc. Même contre les pires équipes, t'as toujours envie de gagner quoi qu'il arrive. On va casse le reste de la soirée d'MD après Valo. Moi je pense non hein. Non, il faut qu'on redescende. Ça part sur demain parce que là on n'arrivera pas à casse toute façon là. Non mais surtout que demain on va pour le coup on va tout casse, c'est sûr, et on va avoir que des jolis matchs et tout, ça va être trop bien. Donc tranquille. Et là, t'imagines, revenez, ça rejoue. Non. Comme la dernière fois. Non, pas ce cauchemar, non. Ok, on est en écho, hein. On est en écho pour Mandatory. Désolé, c'est vrai qu'on commande pas trop la guerre. Mais oui, mon gars. Il savait pas qu'il était là. Oui, mais non. Empêchez-le de planter, on a gagné. Dommage. Il peut le mettre, hein. Il a une arme, nous non. Enfin, on a Bulldog Guardian. Allez, on élimine les choufleurs tranquille. Info, du coup, d'où il l'a lancé. Ouais, mais là, ils savent plus. Là, ils savent pas s'il est pilar, gauche, droite, machin, ça peut se jouer en timing. Oh, 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 il a 30 HP. Et tue-le. Oui. Nice. Encore mon capitaine, hein. Ouais, encore mon capitaine qui va récupérer l'arme. Et ce ne sera pas une défense perdue sur Split, ce qui me régale. Contre, il faut diffuser. Pas... Ils nous l'ont beaucoup fait aujourd'hui. Je peux pas mettre la pression. Je connais pas le jeu, mais je pense qu'il faut diffuser. Interview de Mace Team de prévu. Ouais, tout à fait. L'interview de Mace Team sera demain, ouais. Quoi qu'il arrive, quels que soient les résultats. En gros, les joueurs. Non, mais en plus, ils ont le temps de traîner et tout. Non, mais c'est trop bien. Non, mais surtout que là, il faut qu'ils redescendent parce que eux aussi, là, il faut... enfin, si nous, on était dans cet état, il faut quand même savoir que. Même Mace Team a eu une expression. Ouais, ouais, c'est ce que j'ai dit. Direct, il a souri. Alors que Mace Team, normalement, il gagne, il est en mode. Cool, on a gagné. Connect. Cool, quand là. Non, mais c'était un gros BO. En fait, c'était vraiment un trop gros BO pour plein de raisons. C'était trop important de gagner. Oui. Et ils l'ont fait. C'est trop bien. Le top 3, c'est trop bien. Incroyable. Bah, top. Toi, tu vas pas pouvoir faire l'une dimanche, quoi. Top 3. Bah, s'ils perdent loser. Sont 4. Non, top 3. Mais c'est en fait, vous êtes en finale winner. Oui, c'est top 3. Parce qu'en fait, on passe en finale. Ah, oui, si on perd, on est en. Oui, t'as raison. Non, on est top 3. Top 3. On était top 4. Ouais, tout à fait. On était top 4. Si vous gagnez la prochaine, vous êtes top 3. Oui, tout à fait. Non, y'a pas de soucis. On est top 3, c'est vrai. J'avais oublié qu'on était sur. Cette partie de l'arbre, et qu'après on redescendait un cran après. Là, vous êtes en vrai, vous êtes en finale winner. Finale loser. Là, vous on est forcément finale. Là, vous êtes, oui, mais je veux dire, là, vous êtes en finale winner. Là, oui, vous oui, êtes oui. En oui, c'est ça. Finale, mais c'est une vraie. Oui, tout à fait. Et demain, on...
finale winner, on casse la gueule à Echo. Là, vous gagnez Echo. On casse la gueule à Echo, on va en grande finale et on gagne ces grandes finales. 2-0, 3-0. Non, mais tu sais qu'en plus, vu que Balzandi, bon, soi-disant, ils étaient pas loin, je pense que ça va nous motiver un peu. Tu vois, ça nous alors tout à l'heure, c'était no match. Non, mais c'était un no match, mais soi-disant, non, mais, j'ai non, entendu des gagné. Trucs comme quoi, c'était pas loin. Enfin, bref. J'ai entendu. Mais on est 0-7, enfin, c'est pas loin, quoi. Pourquoi à un moment il dit vous en parlant de MDR et pas on? Bah, écoutez. Bah, il a acheté. Je sais pas quoi vous dire. De... Voilà, je sais pas quoi vous dire. Je parle pas bien français. Ah ouais. C'est un streamer. Non, hablo francés. L'ancienne tonne, hablo francés. Mais c'est vrai que des fois je dis vous, mais je dis aussi nous, tu vois, mais j'inverse les deux. Il a des troubles. Il a des troubles. Oui. Déclenché. Elle soune, hein, quand même. Oui, mon tata. Ah, non. Ah. Non, ça c'est moins bien ça. Qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais, il diffuse là? Ah ouais, couvrez-le, il gagne. Il aime trop faire ça. Ouais, ça va lui là aussi. Il en doublette. En vrai. Oh, c'est perdu, hein. Il aurait pu continuer. Non, ah, je sais pas, parce que de la hauteur il l'avait, de toute façon c'était planté pour hauteur. Oui. Ouais, après il se passera rien. Hein. Ouais, mais bon, on prend quand même ce kill quoi. Une arme en moins. Ouais, puis save l'opérateur pour le dernier, ça me va. Ça me va très bien. Est-ce qu'on est en playoff du coup? Est-ce qu'on est en playoff? Non, parce que quand même, tu vois. Déclenché. Non, on prend les calculs là. Non, mais. C'est bon. Je pense que c'est bon. Mais de toute façon, on va gagner. Il faut gagner. En fait, si on gagne, c'est bon à 100%. Oui, bien sûr. Mais là, est-ce que c'est déjà 100%? Mais je crois que c'est déjà bon. Pas si sûr. Hein. Mais toi, ta gueule, t'en sais rien. Pas si on avait bien, fait les calculs avec lui. Nous emmerde. On vient de gagner, quoi. Oui, sur League of Legends. Moi, je crois sur League of Legends. Non, parce qu'ils actualisent pas avant la fin des matchs. Comme étant playoff. Ok, ouais, c'est non, parce qu'ils actualisent pas avant la fin des matchs. En vrai, on l'était pas avant le début du match, donc bizarre, tu vois. Ouais, non, on l'était pas, mais après ils ont gagné. Ah, si, on est noté en playoff. Là. Ouais, c'est ça. Alors que le match est pas fini. Bah, ouais. Donc c'est bon. C'est officiel. Ouais, mais quand même. Attends, on gagne. La soirée parfaite. Oui, mais j'ai envie de dire un truc. Il y a une semaine et demie ou une semaine, vous étiez, enfin, on était qualifié pour les playoffs. Oui, mais en fait, alors, non. Oui, bah oui. Non, on l'était pas. On l'était déjà. Non, mais c'était écrit. On l'était pas. Si, oui, mais c'était écrit. On n'était pas, mais c'était écrit qu'on était qualifié en playoffs. Qui bah, sur Wikipédia. Non. Je t'assure que. Non, en fait, ils étaient en vert dans les 4 premiers, mais c'était pas en vert colorié. Non, si, j'ai regardé moi-même, ils étaient en vert colorié. Tu crois? Et le lendemain, ils l'ont enlevé. Je t'assure. Après, là, ils l'ont changé. Apparemment, Wikipédia, de toute façon, c'est sur chaque map, image. Il y a une semaine, je comprends. Mais je sais, et c'est pour ça que j'avais dit on est en playoff live. Oui, parce que j'étais allé voir, j'étais en mode ah, c'est colorié. Et donc et moi j'ai dit, mais c'est pas normal parce que j'avais fait les trucs. Toi, t'en sais rien. Le lendemain, ils l'ont enlevé parce qu'ils sont gourés. En fait, le problème, c'est que il y a tellement de triangulaires dans cette ligue que. Surtout jusqu'à demain, en fait. Il y a des matchs jusqu'à demain. C'est une vraie dinguerie que les 6 premières équipes aient le même 4-3 là. C'est pas les 6 premières, mais en gros, il y en a 4 qui se battent pour 3 places en fait. Mais oui, c'est une ligue hyper stack et voilà. Mais oui, non, mais je suis d'accord. Et c'est pour ça que semaine dernière, j'avais dit ah oui, on est en playoff, c'est sûr à 100%. Ouais, c'est vraiment bien plus stack là. Hein. Vraiment. Ouais, c'est vraiment stack là. C'est vraiment une dinguerie. Il y a genre. Non, puis surtout sur plusieurs matchs et tout, c'est même pas. Il y a 4 équipes 4-3 et. C'est des BO3 et tout. Ouais, non, c'est la folie. Enfin bref. Façon. Qu'on soit en playoff ou pas, c'est la dernière équipe du championnat, faut gagner. Voilà, je vous le dis. Même contre des gens qui ont rien à perdre, il faut quand même la gagner. Abir qui est là, devant son trap. Oh oui. Oh, le deuxième kill, mes aïeux. Mes aïeux. Il lui a arraché la tête. Le deuxième. C'est rien ça. Regardez, il arrive. Ghoster, il arrive. Il va être sur le main. Non, Akuma, le deuxième kill. J'ai perdu la vue. Voilà, regardez, là il va l'arracher, sortie de smoke, ça plante à gauche, my bad là-dessus. Oh oui. Oh, j'aime bien. Oh, dans les pieds. Il va quand même planter. Mais il est low HP, on le sait. Ouais. Et là l'autre, il est arraché, c'est bon. 1v3, il fera peut-être un kill, mais il en fera jamais deux. Ils ont l'info de la hauteur ou pas? Non. Ils ont pas l'info, mais Il fera qu'un kill. C'est bon, tu feras qu'un kill. Voilà, allez, dégage. Oh, l'arme de Soon. C'est bien, hein, 7-5. Pas vu, il est dosting. Ah, il est revenu. Et on est revenu, alors qu'on l'a mis. Et ouais, mais parce qu'en fait, on n'avait pas le droit de le licencier avant la fin de la journée, du coup, il finit la journée. Ah, mais non, ah, okay. Mais non, c'est pas ça, c'est parce que Steve Off avait acheté cette arme-là et tu l'as viré aussi. Ah, oui, c'est vrai. On a dû le réembaucher. Ah, s'il te plaît, regardez. Boum. Ça, c'est incroyable. Et boum. Et là, non, j'ai pas de clip. Putain. Ah, non, on l'a réembauché. Soon qui est réembauché instantanément. 7-5, on a gagné la défense, ce qui est un très bon signe.
C'est une victoire à 7, pas à 12 ou à 10, bien sûr, mais et Ghoster, petit MVP, ACS moyen, qui ne veut rien dire, puisque le A de ACS veut dire average, donc c'est le average combat score, average. C'est vrai. C'est... Donc ça veut rien dire. Voilà. ACS, quoi. C'est ça depuis le début de la ligue. Mmh, c'est moyen de moyen. Après, c'est la moyenne du moyen. C'est un stream français, donc... Après, voilà, c'est... Mais nous, ça devrait être le MC... Non, mais ACS, c'est bon. Juste non, ACS. ACS, c'est tout, sans moyen. ACS. Juste ACS. Moyen, c'est bon. Il n'y a pas de temps de beaucoup. Il n'y a pas de... Il n'y a plus d'infos. C'est pour mettre les moyens. Ok, on est en attaque. Et vous avez vu, on n'est pas encore en train d'avancer sur le A. On a avancé, mais on cherche surtout une information, un kill, quelque chose. Pendant ce temps-là, on a investi les vents. On est en train d'essayer d'investir vents. On en prend la hauteur. Il n'a pas vu le... Il n'a pas vu Raze. Il n'a pas vu Raze. Oh, allez, sort, arrache-le! C'est pas grave, le bombeur était pas ici, on voulait un peu d'espace. Voilà, avantage à l'attaque, mon capitaine. Ok, ça va être chaud sur 1v1. Oh, parce que Soon avait fait du bruit. Soon avait fait du bruit en bas. Allez, 2v1. Très très bon teamplay des deux joueurs là. Ouais, en plus, il fait Soon, il y a un truc quoi. Il y a quand même, c'est-à-dire qu'ils se connaissent depuis... Il y a un petit passif. C'est-à-dire que depuis le CP, quand même. C'est-à-dire qu'ils mettent des têtes depuis le CP. C'est ça, ils sont meilleurs potes depuis le CP les deux là. Bon là ils savent qu'il est hauteur effectivement, il suffit de jouer à deux sans se décaler de brochette et normalement ça le fait. Après attention, ça, prends ton temps. On est sur un pistolet. Ça joue bien à deux. Hein. Ouais, c'est bien. Ils sont collés serrés. Ils vont faire le tour, ils vont peut-être faire le tour à deux. Le problème c'est qu'il s'est pas planté pour eux quand même, donc attention. Prends ton temps, c'est bien Rez, prends ton temps. Ouais. Soon est là pour check l'info et Ip fait le tour avec le... J'aime pas parce qu'il s'est vraiment mal planté. Hein. Ouais mais ça va parce que Soon garde l'info. Ah, attention. Oh, il triche. Il va jouer avec le temps, je pense que ça va le faire. Ça va le faire. Il a aucune info sur Soon. Il est bien Soon. C'est un truc quand même de vouloir... Ouais, ah, il avait pas l'info. Mais c'est très... Attends, il est très patient quand même, Raze. Ils sont séparés quoi, ils auraient pas pu se rester ensemble. En fait, les deux techniques sont efficaces. Ah ouais, non, mais en fait, il était très bien parce qu'il avait gagné du temps et il gagnait juste autant. Ouais, ok. Ouais, en fait, puis au final, il a donné l'info à Soon. Dans la situation où tu joues contre le temps, c'est vachement bien. Kusa aurait clutch ce round, me dit Ita. Comme Mandatory, en fait, c'est ça que tu voulais dire, Ita. Et je suis le 7ème joueur, hein. Il est 7ème, hein. Faut pas oublier ça. D'ailleurs, on a vu qu'on a licencié Sivov. Bah, je rentre. Et Soon, juste avant. Je mets les crampons là. Semaine prochaine. Hein. T'inquiète, semaine prochaine, tu joues. Tu joues. Semaine prochaine. T'inquiète pas. Semaine prochaine, là, comme tous les week-ends, t'inquiète. Il sera là, il est là, bien sûr. Ok, bon, du coup, deuxième round. Alors, on est sur split, hein, évidemment, les échos sont terrifiantes, mais c'est la deuxième, enfin, c'est le deuxième round. Donc, deuxième round, regardez les armes de Monaco, c'est vraiment un cauchemar. Hein. On a 4 classiques et un frenzy. Ils appuient frénétiquement sur la touche d'achat, mais. Ouais, ça fonctionne pas. Hein. Donc, là, on doit vraiment gagner le round. Hein. C'est interdit de perdre le round. Et si on lâche, si par hasard on perd quelqu'un, il faut surtout pas lâcher une arme. C'est pas grave s'il meurt, c'est le seul qui a pas d'arme. C'est aussi pour ça que c'est le seul qui s'isole aussi. En plus, le fait d'être Viper et de pouvoir mettre de l'activité. Là, on essaye de le faire bouger, en fait, histoire de pouvoir récupérer des kills. Donc, vous voyez, on va réinvestir le mid. On n'est pas naïf. Hein. Ils sont cachés dans des coins, là. C'est ça. Faire attention. Mais on sait que ça peut être partout. À droite. Mais c'est qu'un classique, donc il fera pas plus d'un kill. Même s'il en fait un. Bah, allez. Il en fera pas un, parce qu'on avait la perspective. Nous avions le perspective advantage. On soigne Hip. Ouais, tout à fait. On a quelqu'un qui est vent. Bon, c'est pas très grave. Hip va quand même check. De toute façon, voilà, franchement, ils sont au classique. Il n'y a que Jet à la limite qui pourrait faire. Mais c'est pas grave, c'est celui qui a pas d'arme. Ouais. C'est celui qui a pas d'arme. Il fermait la marche exprès sans arme. Allez, on a pris le site, il n'y a plus personne, on le sait, on va pouvoir planter. Et maintenant. La smoke est parfaite. On sait qu'il y a Jet en haut. Voilà, allez. Ça contrôle le terrain. Tout le monde est très bien isolé, c'est-à-dire que même s'ils font un kill, ils n'arriveront pas à récupérer l'arme sans que quelqu'un puisse la couvrir. Donc c'est parfait. C'est parfait. Bouge pas. Il arrive. Hop, c'est pas grave. Ils vont quand même la jouer, hein. Ils pourraient aussi ne pas la jouer, décider de mourir sur le spike, sans nous filer les points d'ulti. C'est ce qu'ils devraient faire d'ailleurs, je pense, et c'est ce qu'ils vont faire. Hein. C'est totalement ce qu'ils vont faire. Je pense, sinon. Ouais. Bah, je pense qu'ils veulent pas mourir. Ouais. En vrai, ils veulent pas mourir, ils veulent mourir de la bombe. Ils veulent pas mourir des joueurs. Et ça, c'est ce qu'on vous expliquait. C'est ce qu'on vous expliquait, c'est qu'ils sont obligés de se tuer sur le spike pour quand même ne pas être en situation d'économie et avoir le bonus octroyé de la mort. Mais ils veulent pas se tuer sur les joueurs pour pas que nos joueurs à nous aient des points d'ulti. Donc en vrai, bon choix de Monaco, ils pouvaient plus rentrer sur site. Et maintenant, un round important, le bonus round. Le bonus round qui, s'il est mis, nous mettra extrêmement bien. Sachant qu'on mène déjà le match, mais... 9-5, c'est bien. Ouais, 9-5 et on a un très bon bonus. On a 4 Vandales.
avec possibilité d'acheter au prochain round deux gros shields, un bulldog, c'est vraiment un bonus de bourgeois, comme on l'appelle dans le jargon. Donc on est très très bien. Vous voyez un loadout value qui est à peine 1000 de différence, alors qu'on est en bonus round, c'est quand même la dinguerie. Donc bien joué, c'est un bonus très très bien. Si on le met, ça mettra très 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 à mal Monaco Esports. Très très bon bonus. Alors... Ils sont deux vents là. On refait un petit peu ce... Cross la smoke. Oh, il prend deux kills. 2 pour 1, 2 pour 2 finalement. Avantage à l'attaque. La grenade. Et puis on a pas encore investi un site, dommage. Est-ce qu'on peut revenge ça? Ah, dommage, on n'a pas pu revenge ça. Ça reste un bonus pour nous, mais il faudrait faire tomber une ou deux armes de plus. Ça va être très dur pour Soon parce qu'il se doute hein, qu'il est dans les alentours du A. Ils savent que c'est le lurker. Ils savent qu'il a avancé sur cette zone. On n'a juste pas les vents. Ça va être très dur pour lui hein, de faire le moindre kill. Il doit regarder tous les coins. C'est vraiment très, très, très difficile. Hein. C'est-à-dire que chaque kill ou chaque bruit qu'il entend... Vous voyez, là, il entend ce bruit, mais il se dit, bah, si lui, il fait du bruit, c'est qu'il doit y avoir quelqu'un derrière. Là, il va essayer de récupérer. Ouais. Il essayait de récupérer sans sortir de la smoke, mais le spike était trop loin. En gros, vous n'êtes pas obligé de passer sur le spike. En fait, il y a une interaction qui peut se déclencher quand vous êtes devant le spike. Si vous appuyez sur une touche, la touche d'interaction, et bien vous ramassez le spike. C'est ce qu'il a essayé de faire. Bon, de son même après, s'il ramassait le spike, c'était quand même dur de retourner en A et tout. Donc, pas de problème, c'était un bonus. Pas de problème. C'est parti. 9-6. J'ai quand même l'impression qu'on est en playoff, les gars. Juste faisons 13 et au moins on se pose pas de questions. Ça va être mon running gag, voilà. Oui, toutes les sources, ouais, bien sûr, je comprends. Les sources, mes sources s'affolent, mais... mes sources s'affolent en DM et m'insultent presque, mais... je crois qu'on est... Je crois qu'on est en playoff. Bien sûr, je crois que... Ouais, de la croyance. Selon mes sources et Liquidpedia. Mais bon, ça, on sait que c'est une source pas fiable depuis la semaine dernière. Mais en même temps, il a joué dans la one way. Donc ouais, j'ai envie de dire, Marine, il a pris le risque. Il a pris le risque de jouer dans la one way. Oh, Louis, je suis dégoûté pour lui. Ouais, dégoûté pour ce timing. C'est pas de chance. Il a regardé tout le round ici. Pile au moment où il regarde plus, on passe. Non, franchement. Capitaine qui se doute. Hein. Il se doute qu'il y a quelqu'un garage. Et là, on a la nade, donc on sait qu'il y a quelqu'un. Il a quand même sa shell out. Oh, ça peut faire mal par contre. Nice! Tu fais le bruit de la smoke ou pas? Je sais pas. Parce que si c'est ça, peut-être. Soon il est trop fort. Ouais, peut-être. Parce que ça, c'est vraiment une bombe. Ah! Bon, on sait où il est du coup. Alors, on vient pas en soirée avec nous? Les gars, je crois qu'il est en A. Bon, là, il faut aller. Moi, je pense qu'il faut envoyer une ou deux personnes le chercher. Parce que perdre après plus de deux armes, c'est chiant. Mais il faut au moins en envoyer un. Moi, j'aime bien dire. Un pour un, pour aller chercher un save, ça va, d'autant qu'il y a Ghoster et Soon qui ont 1300. Donc, tranquille. Et vous voyez, c'est ce qu'est en train de faire Akuma. Il cherche. Hein. Il cherche doucement, mais il cherche. Et sur un timing... Tu sais qu'il est elbow. Ouais, normalement, il sait. Normalement, il sait. Il sait qu'il est elbow. 80%. Par contre, c'est incroyable qu'il se mette pas dans le coin, au moins, pour regarder les deux. Vas-y, va elbow. Voilà. Marche. Je sens qu'Apir va se retourner. Il a reniflé. C'est vraiment possible de cut à Luffy. C'est vraiment possible. Oh oui. Regarde le coup de clac. Oh oui. C'est vraiment dommage que tu gagnes pas plus de thunes quand tu tires au couteau. Mais ça c'est scandaleux. Sûr, surtout que c'est tellement dur dans Valo. Ouais, ça me rend. C'est encore plus dur que dans CS. Bon, par contre, il a pas de marteau, mais bon, tranquille. Ouais, c'est pas grave. Bon, je préfère qu'il ait pas de marteau et qu'il gagne. C'est vrai. Oh oui. J'adore. C'est très rare les cuts en mode. C'est rare, ouais, quand même. En fait, ça peut arriver dans une mêlée générale où c'est le bordel, mais un cut en mode, tu m'as pas regardé, je t'ai cut. Il a regardé, il était en mode. Même moi, je me fais pas. Je pense qu'il a regardé Fépé sur son téléphone, il a fait un selfie. Et après, il a fait les gars, je vais le cut, là, je suis en story. Donc, c'est sûr qu'il a dit Fépé, j'ai le droit ou pas. Il est sur Instagram, tu sais, les gars, là, je suis en Dofi, en fait, je vais cut le mec. Et là, regardez, je prends mon cut, je clique, et là, il est mort en fait. Ça me régale. Et du coup, ils sont en écho. Et en plus, ils prennent B parce qu'ils sont pas B, c'est bien ça. Non, mais surtout, là, le mental du mec qui s'est fait cut. Ah non, mais là c'est. Là il y a une vidéo qui va pas. Ah, mais c'est FF. C'est FF. Surtout que t'es dueliste. Hein. C'est le rôle. Le Mercato là, il va. Mercato, il. Oh,
Ah, le mercato, il arrive pas fort là. J'ai joué en VRL. Ah oui, je me souviens de toi. C'était cette vidéo sur Twitter. C'est celle-là. J'ai des clips de moi qui t'entends de l'être. Ah ouais, ouais, je crois. Ouais. Ah, c'est encore pire que la revenge porn. Non, c'est... Ouais, non, le cut là, c'est... Ah, c'est quelque chose là. C'est fin de carrière. Hein. Non, c'est pas fin de carrière, mais c'est vrai qu'il a beaucoup regardé d'un seul côté, quoi. Sans jamais regarder l'autre. Oh, ouais, dur. Dégoûté pour lui, ça rend pas de chance. De fou. Hein. Mais ouais. Et là, bah, c'est gagné. Bon, ils étaient en écho. Ah ouais, on utilise une satchel. Ah ouais, on prend un trap. Ok, bah ouais. Ah, ciao, hein. Oh, il va le tuer, je pense. Allez, ciao. Est-ce qu'il s'en sort? Oui. Bien joué. Non, parfait. Parfait, onze. Parfait. On est à 11, là. Ouais. Perdre, c'est une chose, mais éteindre une carrière comme ça. Ouais, on est à 11, ouais. Bon, c'est un arrachage, hein. C'est un arrachage. J'aime bien, quand même, hein. Ils aiment bien nous faire, ils aiment bien faire du content. Hein. Ils aiment bien faire non, mais comme, mais comme sur WoW, hein. Ils sont chauds. Ah, ils adorent. Tout pour le content. Non, pareil, ouais. Après, si sur WoW, ils avaient visé le content, ils auraient perdu, là. Et pour remonter de loser. Ouais, bon, ils l'ont fait la semaine dernière. C'est vrai, on peut pas faire tous les jours. Ouais, c'est vrai. À un moment, faut quand même. C'est vrai, à un moment, faut mériter son salaire, quoi. Voilà. Faut montrer qui tu es. Mais après, je pense qu'ils ont entendu les casters et ils ont dit bon, ouais, je veux sérieusement. Juste, les gars, je crois qu'on est en playoff. Non. Ah ouais? Ça vient c'est de tomber. Ah. C'est vrai? Selon mes sources. Ah oui, mais tes sources. Okay, ah mais là, 11. Non, mais par contre, pour deux. Ma source m'a fait, un JPEG. Tu peux la montrer? Source. Je sais pas si vous allez le voir. C'est bon. Voilà. Ah, attention. Ah. Programme terminé, lave-vaisselle. Ah, ok, ah, ça va, alors. Ça vient de pop. Ça vient d'être annoncé en direct. J'imagine c'est d'autres choses. C'est mon revenge porn, là, qui arrive. Ça vient de tomber, en même temps que le cut. Horrible. Source, mon lave-vaisselle, on est en playoff. Parce que oui, j'ai un lave-vaisselle connecté, et j'ai même mieux, figurez-vous, j'ai un lave-vaisselle à mi-hauteur. Ouais, c'est-à-dire qu'il est pas par terre, il est à mi-hauteur de cuisine, voilà. Il en refuse rien. Je me suis fait installer ça. J'ai pas grand-chose à la maison, mais j'ai le lave-vaisselle mi-hauteur. Par contre, bon, on n'a pas l'eau chaude, pas le chauffage, ça, c'est pas grave. Mais on a le lave-vaisselle mi-hauteur, et ça... C'est vraiment le banger, bien sûr. Bon, par contre, vu que c'est mi-hauteur... Non, excusez-moi, vu que le lave-vaisselle est mi-hauteur, du coup, on doit avoir un lave-vaisselle un peu plus petit, parce que sinon, il rentre pas dans les caissons de cuisine. Donc ça, c'est un désavantage. Du coup, ce qu'il faudrait, c'est deux lave-vaisselle mi-hauteur, peut-être. Allez. Voilà. Voilà, que dire, le lave-vaisselle... Lave-vaisselle, premier achat que j'ai fait avec mon premier salaire. Anecdote. C'est j'étais en mode la vaisselle, c'est fini. Moi, le stéréotype, un PC. Moi, c'était pas un PC. Non. C'est quoi? Ah, le lave-vaisselle que j'ai acheté? Ah non, il est finito. Il est finito? Mais non. Il est finito. Mais c'était il y a longtemps. Ah bah, c'était quand j'étais. C'était quand j'étais en alternance et tout. Vous êtes si jeune. Ah, c'était. Je sais pas les mots. Pendant qu'on est en train de démouler quand même. C'est une destruction, voilà. C'est une destruction. Balle de match. C'est les bras levés là. Hein. Surtout que peut-être qu'on est en play-off après. Je suis pas sûr. Alors si on gagne le round, normalement, on est en play-off. Okay. Ah, c'est pas sûr. Avec Wikipédia. Selon mes sources, si on gagne le match, on est en play-off. Les mains en l'air, let's go! Pour la premier round de match contre Monaco eSport, la dernière équipe de la ligue qu'on est en train d'arracher sur Split, même s'ils nous ont mis une map quand même. Mais la soirée de zinzin, ouais, soirée de peut-être fou. Les trompettes, on gagne Valo, on gagne sur Valo. Attends, non, c'est pas fini. Avec en plus un round économiquement assez bancal pour Monaco, même si Apir est en ulti, on a quand même Saba qui est en spectre. On a un premier kill de Night sur Ghoster, pas très important. Est-ce qu'on peut revenge? Oui, on aura le revenge. Oh, le main avec Akuma qui détruit Ditch sur... Ouais, c'était... C'est incroyable, c'est quelque chose. Il a évité son ulti. Il fallait oser. Hein. Et il nous reste que deux joueurs pour Monaco eSport, mesdames et messieurs. Wouh wouh. En play-off, gagne sur Valorant, et on vient de me dire que ça y est, on est en play-off. Ok, ok, ok. C'est confirmé. C'est bon. La soirée de fou. Oh, incroyable, incroyable. Non, mais par contre, vous savez que là, au-delà de play-off, machin, en gagnant ce match, on est très probablement dans les meilleurs seeds, probablement seed 2, voire seed 1, puisqu'on a gagné contre JL. Merci pour les 50. Merci pour le prout. Quel prout? Et quel prout? Bon, voilà, la dingue, hein. Oh, oh là là, c'est un sans faute. Ouais, c'est ouf là. Oh, je suis... Non mais là c'est un truc de fou. C'est un sans faute. C'est un truc de fou. Et ouais, sur WoW face à une équipe terrifiante,
Ouais. On a réussi à l'être encore plus. Et en vrai, sur Valo, bah, comme vous l'avez dit, c'était une équipe capable de tout, en fait. Et le mec repart sans carrière, quoi. C'est-à-dire que. Ah, non, mais là. C'est-à-dire qu'on gagne et en plus, on éteint des carrières, quoi. En plus, franchement, ils se sont bien défendus. Hein. Franchement, ouais, le BO était bien. Ma source me confirme, on est bien en playoff. Ah, ouais. Let's go. Yes. Source de la vaisselle. C'est confirmé, source, mon lave-vaisselle, qui vient de confirmer, effectivement. Bah c'est 2-0. Non, 2-0-2 hein, du coup. C'est un truc de fou. Ta 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 ta